Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, un tout nouveau rituel. Donc le rituel, c'est j'ai mis du romarin ici. Cela m'a fait peur de ce qui s'est passé le lendemain. Vous allez voir, c'est un rituel incroyable. Je vous en dis pas plus et on va démarrer ce rituel. Déjà, je vais vous dire ce dont vous aurez besoin. Vous aurez besoin d'un bocal avec une fermeture, un couvercle. Si jamais vous n'avez pas, eh bien, vous pouvez prendre un verre ou une tasse et ensuite le couvrir avec du film plastique ou de l'aluminium. Mais c'est toujours mieux un bocal quand vous achetez des bocaux où il y a des légumes ou n'importe quoi, je sais pas, ou des lentilles ou des pois chiches. Mais gardez ces bocaux. Alors, il nous faudra du thym. Il nous faudra une bougie. Il nous faudra un briquet ou des allumettes pour pour allumer pardon, la bougie. Un verre d'eau. Il faudra de l'eau. Et une chaussure. Voilà, n'importe quelle chaussure fera l'affaire. Hein. Même ça peut être une bottine ou. Donc, voilà. Donc là, c'est vraiment pour enlever tout ce qui est négatif et amener le positif, donc en amour, dans tout les domaines que vous voulez travailler. Alors, n'oubliez pas également que si vous voulez des rituels personnalisés, vous pouvez me joindre sur ce WhatsApp. Donc, c'est uniquement pour les commandes. Ne me contactez pas pour autre chose, parce que sinon je répondrai pas de toute façon. Voilà, donc à ce WhatsApp et cet email. N'hésitez pas à vous abonner aussi. On a aussi le livre, donc toute la collection de livres, vous tapez Faraquet sur Amazon, vous les trouverez sinon sous la vidéo en description. La loi d'attraction, très puissant. C'est comme si je suis en coaching avec vous. Vous avez également comment devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux. Comment sortir d'une relation toxique en 21 jours et éviter de replonger parce que tout ce qui est toxique, ce n'est pas bon pour les rituels. Alors, ça vous éloigne pour réussir des rituels. Et les trois livres de rituels, donc ici, voilà, que vous ne trouverez pas. Ailleurs que dans ces livres ni sur la chaîne YouTube. Je vois un petit coup. Allez, on va démarrer. Donc, on va prendre la chaussure. Alors, ça, je vais mettre là. Prends la chaussure et on va mettre du thym dedans. Alors, si c'est des hauts talons, vous allez le mettre ici. D'accord? Si ce ne sont pas des hauts talons, vous pouvez les mettre ici, où il y a le talon. Donc, on va verser du thym dans la chaussure. Voilà. Je ne sais pas si on va le voir bien. Voilà, il est allé tout à droite maintenant. Vous versez le thym. Ensuite, alors, attendez, je ferme ça. Ensuite, vous allez mettre de l'eau dans le bocal. Vous allez mettre de l'eau dans le bocal et vous allez ajouter dans l'eau également du thym. Comme ceci. Ensuite, vous allez fermer le bocal. Vous allez le secouer, bien le secouer. Donc, vous voyez l'importance du bocal. Mais bon, vous pouvez secouer tout en mettant ou une sous-tasse dessus, ou ça va être un peu plus compliqué, mais enfin, il y a moyen. Une sous-tasse ou bien l'aluminium ou le film plastique. Alors, vous faites comme ça alors, à ce moment-là. Vous le prenez par en haut. Et donc, vous tournez. Vous allez prendre où il y a la chaussure. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'autre. Voilà. Et vous allez aussi passer l'eau
sur là où il y a le thym, où vous avez mis le thym. Et vous faites comme ceci. Ça, c'est parce que vous savez, l'eau, c'est une grande énergie. Hein. Tout est énergie de toute façon, mais l'eau. Donc là, c'est hyper important de faire comme ceci. Voilà. Alors, vous allez ensuite allumer la bougie. Voilà. Vous allez allumer la bougie et vous allez laisser ceci donc tout près. Donc vous allez prendre la chaussure, le bocal avec de l'eau et du thym et la bougie. Donc quand la bougie, vous les mettez contre l'un et l'autre, d'accord? Je trouve plus les mots. De cette manière, la chaussure à gauche, le bocal d'eau avec le thym et la bougie. Et tout collé, d'accord? Ensuite, vous allez mettre votre main au-dessus de la bougie et vous allez passer votre main au-dessus. Faites ça 3 fois. Ensuite, tout ça, vous allez le laisser une nuit. Vous pouvez le laisser dans un endroit où c'est sombre, pas où il y a de la lumière. Et où évidemment, personne ne pourra toucher, même pas un animal. Pas un chat, pas un chien. Donc, vous pouvez le mettre dans une armoire fermée ou dans votre cuisine ou dans n'importe quelle pièce où vous savez que personne n'ira toucher. Ensuite, vous avez besoin de sopalin ou d'un morceau de ouate aussi. Je ne crois pas que je l'ai dit. Quand la bougie s'est consumée, vous retirez la bougie. Ensuite, le lendemain, vous allez prendre l'eau. Vous allez ouvrir le bocal et prendre de l'eau. Voilà, l'eau avec le thym qui a macéré toute la nuit. Et commencez à vous frotter. Voilà, vous mettez plein d'eau sur vos mains, sur la main gauche, la main droite, sur les bras, sur le visage, sur les cheveux, sur le crâne, dans le cou, devant aussi, sur tout votre corps, même les parties sexuelles. Hein. Et vous faites cela. Ensuite, ça, vous allez le jeter dans la poubelle. Et l'eau, vous allez la tirer dans la chasse. Enfin, dans les toilettes. Et vous allez tirer la chasse d'eau. Et la chaussure avec le thym, vous la laissez. Ça doit être une chaussure que vous avez portée déjà. Hein. Vous le laissez jusqu'à ce que vous voyez que la personne revienne ou ce que vous voulez en tout cas. Arrive et que vous l'avez vous voyez que le rituel a fonctionné. Donc n'hésitez pas de vous abonner, commenter, n'oubliez pas le concours aléatoire, vous mettez des commentaires, ceux qui mettront le plus de commentaires sur plusieurs vidéos, évidemment pas qu'une, que ce soit récurrent, eh bien je les remercierai. Il y aura un gagnant pour gagner un rituel gratuit. Si vous voulez uniquement des commandes, eh bien, vous me contactez par ici. Et donc, abonnez-vous, likez. Il faut que quand vous mettez les commentaires, vous soyez abonné aussi et que vous likez. Je peux voir tout ça sur YouTube. Donc, je vérifie toujours. Et on se retrouve pour un prochain rituel.